Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Allez, un épisode spécial vacances. Et oui, cette semaine, j'étais en vacances. Première fois depuis un bon bout de temps que j'ai pu prendre des vacances et pas juste des staycations où je reste à la maison et je fais des trucs de barbu. Je me suis barré avec ma gamine et comme je l'ai mis dans un autre Barbu Nawak, les vacances sont pas vraiment mal commencées, mais c'était un peu le bordel. À cause du bug de la gare de Montparnasse, rien non plus de dramatique. On est resté à la maison, on s'est fait les 3 ou 4 premiers épisodes de Stranger Things avec ma fille, en mangeant de la glace et en attendant le lendemain pour essayer de pirater un train qui partait de Massy jusqu'à Saint-Pierre-des-Corps et ensuite Saint-Pierre-des-Corps-Châtellerault. Rien de dramatique. Pour ensuite louer une voiture et aller au camping à côté de la Tronche-sur-Mer. Je dois vous avouer, je suis pas très camping. Échanger un empilement horizontal contre un empilement vertical et partager des toilettes et des douches avec plusieurs centaines de personnes, c'est pas trop mon truc, mais pour 3 jours, c'était fun. On a mangé du saucisson, Marie a mangé du saumon, on est allé à la mer, on s'est niqué les pieds sur les rochers, c'était fun. Et puis voilà. Bienvenue dans la tente. Là-bas, c'est le côté de Marie. Et ici, en mode barge, dans la tente, avec mon super truc gonflable et mon oreiller fait à partir de fringues. Merci. My life is about to happen. Au passage, j'ai pu aller faire un coucou à mon pote Momo, qui est à côté de La Rochelle, et qui est un ingénieur qualité médicale machin truc psychopathe. C'est un mec génial. On s'est fait un petit barbecue, on a rigolé, et puis ben on est rentré à la campagne chez mes vieux, pour ensuite faire un autre barbecue chez mon pote Jérôme, qui est un menuisier psychopathe, un mec génial aussi. Plein de barbecue, que demander de plus? Dis un truc intelligent. Olivier. N'importe quoi. Pour une fois que c'est pas moi qui pète une chaise, tu vois. Bon ben voilà, comme ça on pourra la réparer celle-là. Un futur projet de la grotte du barbu. Non non, c'est le bois qui est mort, hein. Qui est complètement. Regarde, tu vois qu'il est moisi. Complètement moisi. Wesh. Bonjour. Oui, c'est... Oh la vache, putain, j'ai pris un coup de soleil en fait, sa mère. Ah non, pas si, carrément, je suis tout rouge. Non, c'était peut-être la lumière. Non, c'était la lumière. On est chez Momo. Quoi, à côté de la Rochelle. La grève sur Mignon. Venez lui dire bonjour et on va se taper un barbecue. Barbecue. Explique-moi ton secret pour avoir cette crinière. Des cheveux, c'est ça. Comment ça pète? Ensuite, il faut avoir un bon shampoing. Il faut se laver, se brosser, etc. Comme vous avez pu le voir, j'avais programmé certaines vidéos pour qu'elles soient mises en ligne au fur et à mesure de la semaine.
Et il y en avait une mardi et une jeudi qui ont été mis en ligne. Je rattrape j'essaye de rattraper au fur et à mesure les commentaires. J'en parlerai dans un autre Barbunawak. Je suis de retour dans ma grotte. Ça fait plaisir, après quelques jours, de retrouver ses outils, de retrouver son lit, et de pouvoir prendre une douche sans que des espèces de wesh mettent de la musique de merde. Mais globalement, c'était des vacances sympas. Après, je sais pas, c'est mon côté un peu ours bougon, où je pense que la prochaine fois, on partira vraiment là où il n'y a personne. On verra. Mais bon, c'était globalement fun. Tu me présentes, c'est qui cette espèce de gros chien? Jazz? Oh tiens, bon chien ça! Ça va, il est content. Ouais. Alors c'est quoi comme méthode? C'est avec le désherbeur? C'est bien et ça? Tu vas pas me mettre sur internet toi? Mais non, je mets ton barbecue. Ouais. Ça faisait des années que j'avais pas vu la mer, donc c'était vraiment cool. C'était cool, mais lundi matin, retour à la réalité, retour au boulot, retour à notre programme, et dans les semaines qui viennent, vous allez voir, il y aura plein de vidéos super cool, sur plein de choses à droite à gauche. Je vais pas trop vous en dire pour pas vous gâcher la surprise, mais vous verrez, il y a des trucs vraiment sympas qui sont prévus dans les prochains jours. Voilà un espèce d'épisode bizarre, une espèce de version 2.0 de la soirée diapositive. Pas sûr que ce soit un vlog très intéressant. Bon, camping, potes, barbecue, du bon fun.